Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, здоровья. Thank you.
выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все. Стоп.
futures. What they have done. In 5,000 years, continuously, every generation, every father, every mother, every teacher, every priest is creating a better future. And the total result seems to be just the opposite. Two things happen. They destroy their present. They sacrificed. They thought they are martyrs. They thought they are doing great service to humanity. They were doing great disservice because the time that was given to them, a gift of existence, they wasted. And they have not been able to create a better future. Those 5,000 years should become a lesson. My own understanding is, if you are living your present totally, out of this living will be born the next moment. You have taken care of the next moment by living this moment totally. Just think how logic can lead to foolish attitudes. The father is told that he has to sacrifice his life for the children. His father sacrificed his life for him. Neither he could live, nor he can live, nor his children are going to live, because they will be sacrificing their lives to their children. So everybody is sacrificing to somebody else. It's strange that who is going to live? My insistence is, live it, and out of your living experience, the future will be born.
Houston, I'm on the porch. Roger, Dale. Columbia, Columbia, this is Houston, 1 minute, 30 seconds, LOS, all systems go, over. Okay. Get a little flat. On the porch at 109 hours, 19 minutes, 16 seconds. Okay. On the foot of the ladder, the lamp foot there, so let me
useful information after an event that might have gone unreported during the event itself, and to start to draw some conclusions. Capable of 180 million horsepower, the first stage engines came from Louisiana. The second stage came from California, as did the third. They were proved out for the mission in Alabama. The vehicle destined to make the moon touchdown in a later Apollo mission comes from New York. The guidance and navigation equipment within the narrow instrument ring grew in Wisconsin, was checked in Massachusetts. Electromechanicals within the command and service modules are from Florida. Display systems from New Hampshire. The astronaut space suits are from Delaware. The mission commander was born in Indiana, grew up in Arizona. On its moon voyage, it will be controlled from Texas, serviced by computers in Maryland, splashed down near Hawaii. The giant crawler on which it rides was made in Ohio. The genius and sweat of literally the entire nation ride the mission. Importantly, part of the task of filling those gaps belongs to each individual. A self-debriefing to evaluate the larger significance of the event, which might have gone unnoticed in the excitement. For some, this re-evaluation has already begun. Dr. Norman Vincent Peale. The mission of Apollo 8, quite apart from its significant scientific meaning, stimulated an immense rejuvenation of the spirit of mankind. And that spirit needed rejuvenation. A year featured by two grim assassinations, by riots, by racial and social strife, and a baffling attempt to end the war left men with a dull sense of frustration. Then at the end of such a year came the Apollo 8, an incredible adventure, when three intrepid spirits circled the moon, fascinating the imagination of man.
después del explote ocurre eso. ¿Cómo podemos abrir el cofón y el glas? ¿Tú? No. Papo, loco. Je sais pas si c'est le soleil direct ou si c'est le rayon réfléchi. Parce que normalement, dès que le soleil est presque sous l'horizon, on ne le voit pas encore, mais les rayons sont réfléchis par l'atmosphère et on a le sentiment effectivement qu'on a le rayon direct. Et ça précède de 2 jours. Donc c'est. Mais enfin, c'est. Il est là, quoi. Il est de retour. Fait du bien de voir notre astre après 4 mois. On parle des premiers hivernants comme des gens qui auraient été sur la Lune, quoi. Parce qu'ils entraient dans un domaine qu'on ne connaît pas, en plus qui est plein de fantômes, qui est le noir. Comment est-ce que notre organisme va supporter cette obscurité? Il y avait cette appréhension, l'immobilisme dans un climat aussi rude, au milieu d'un grand désert comme ça, est un passage dans un temple. Et sorti du flux du monde qui nous porte tous, on est porté par ce flux de l'agitation, on peut dire, dans lequel nous vivons, tout d'un coup on se retrouve avec soi-même. Et il faut apprendre à vivre avec soi-même de nouveau, il faut se réapprivoiser. Et donc il y a des moments où on est en désaccord total avec soi-même, on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris de venir là encore une fois? Quel désaccord avec le monde me poussa à m'imposer cette souffrance? Et puis par moments il y a un apaisement, le calme est propice à ça, et tout d'un coup on fusionne avec ce calme et il y a l'étal comme la marée arrive à un moment d'immobilisme et on est bien dans cet univers. C'est un luxe formidable de sentir cet apaisement qui vient en soi dans ce genre de région. Ça doit faire une quinzaine d'années que je fréquente les régions polaires, ça fait 10 ans que j'étais au pôle Nord et je ne comprends toujours pas pourquoi je suis attiré par ces régions. Je le devine un peu, quoi. Je crois qu'elles nous mettent en face de nous-mêmes. Et quand on en a pris le pouls, quand on est, quand on les accepte comme elles sont, quand on a, je dirais, on a oublié qu'il fait froid, parce que souvent ça se résume, alors vous n'avez pas froid, c'est autre chose les régions polaires. Le froid est un élément du décor, c'est peut-être celui qui les protège le plus. Je me rends compte que dès que j'ai pris le pouls de la région, j'ai de nouveau... bien-être.